Rabelais sur l'Yon, les vignes dessinent le paysage et un village d'artistes a fait son nid dans le bourg. Étienne Davodeau vit et travaille ici. De Lulu Femme Nue à Cher Pays de mon enfance, des mauvaises gens aux ignorants, l'auteur-dessinateur s'est imposé comme une grande figure de la bande dessinée documentaire sans jamais s'éloigner de son village natal de Baudes-en-Mauges. Également au sommaire de ce numéro d'Artothèque. C'est comme un espèce de croquis dans l'espace que le spectateur peut venir habiller. Voilà, ça vous fera 37,50€. Vous avez la carte du magasin? Je suis désolé, je crois qu'elle est restée dans mon autre pantalon. Quoi? On est comme des petits ouvriers ensemble à collaborer, faire de la mélancolie sur un truc qui danse. C'est là que la magie se passe, quoi. Vous allez demander au bateau de faire ceci, de faire cela, de rentrer ou de sortir de sa place de port. Et c'est ce membre d'équipage virtuel qui va s'en occuper. C'est drôle parce que, Étienne Davodeau, je suis en train de lire « Le chien qui louche », c'est une de vos œuvres. Mm-hmm. Et je tombe sur un passage où on dit à un visiteur du musée du Louvre « On ne doit pas toucher les œuvres ». Je suis chez vous, là, dans votre bureau. Ouais, dans mon atelier. J'ai pas le droit de toucher à quoi? Vous n'avez le droit de toucher à rien. Ici, c'est chez moi, c'est mon antre. C'est l'endroit où je passe l'essentiel de mes journées, c'est l'endroit où je fabrique mes livres. Et voilà, c'est là que je travaille, tout simplement, quoi. Alors, les artistes ont souvent des habitudes, mm-hmm, dans leur loge, ouais, notamment avant un spectacle. Est-ce que vous avez des us, des coutumes que vous devez absolument respecter lorsque vous êtes en phase de création? Non, je ne suis pas très, très branché rituel. La seule chose que je m'impose, c'est que quand je travaille dans cette pièce, j'y travaille une journée complète. C'est-à-dire que je m'y installe après mon lever et j'en sors en toute fin de journée. J'ai besoin de m'immerger dans une page de bande dessinée. Une page de bande dessinée, c'est à peu près pour moi une, oui, journée de travail, à la condition que ni le téléphone, ni l'ordinateur, ni des visites intempestives ne viennent parasiter la journée en question. Donc c'est une journée sas, close, que je ne consacre qu'à ça. Une bulle. On vous dérange pas, on vient pas vous enquiquiner. La question, c'est la concentration. Quand on réalise une page de bande dessinée, on n'est pas, contrairement à ce que pourrait croire un visiteur extérieur, devant une page de papier avec un crayon. On est avec des personnages dans un lieu, en l'occurrence là, au musée du Louvre, mmh, et on est en train de gérer des dialogues, des comportements de personnages, des décors, et ça demande une concentration assez intensive. Et tout ce qui viendra la parasiter ne sera pas le bienvenu. On vous présente souvent comme étant un auteur de bande dessinée d'actualité. Est-ce, mmh, que ça vous convient comme définition ? L'actualité, non, pas trop, en fait, hein, pour tout vous dire. Parce que l'actualité, c'est quelque chose sur lequel on doit réagir à chaud, immédiatement. C'est quelque chose qui est de l'ordre plutôt du dessin de presse. La bande dessinée que je pratique, moi, qui est une bande dessinée, effectivement, qui va vers le reportage et vers le documentaire, c'est plutôt sur du long cours, du long terme. Moi, je passe souvent très longtemps sur ces sujets-là. Je passe souvent une année ou deux années. Donc l'actualité, elle est trop rapide pour moi. Vous préférez le mot reportage ? Oui, sans doute. Chroniqueur ? C'est de la bande dessinée qui n'est pas de la fiction. Pour dire les choses clairement, c'est une forme de bande dessinée où je n'invente pas une histoire, mais je vais la recueillir quelque part pour l'installer dans un livre que je suis en train de dessiner. Donc, pour être le plus large possible, c'est de la bande dessinée de non-fiction, qui inclut le documentaire, le reportage, un peu d'autobiographie, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une sorte de bande dessinée qui se développe beaucoup ces dernières années. Et des prises de position. Ouais. Parce que cette bande dessinée-là, telle que moi je la conçois, c'est une bande dessinée écrite à la première personne du singulier. Une bande dessinée où l'auteur dit « je », où l'auteur fait part de son point de vue. C'est une bande dessinée subjective, partiale même, engagée parfois, mais c'est vraiment une bande dessinée qui s'écrit à la première personne. Sur ces coteaux où l'homme a enraciné le cépage chenin, les brouillards matinaux se dispersent et les premiers rayons de soleil révèlent la silhouette d'une vendangeuse imaginaire, Milan, qui se faufile entre les rangs de vignes.
cycle. Anthony Liopard. Depuis plus de 30 ans, sur la commune de Rabelais-sur-Layon, le village d'artistes a su s'imposer comme un site de référence en milieu rural. Installé dans un ancien presbytère du XVe siècle, le village d'artistes présente chaque année le travail de près de 100 créateurs dans sa boutique métier d'art, sa galerie d'art et son espace petit format. Trois événements rythment les saisons. Un salon d'automne, un marché des potiers et une participation aux Journées européennes des métiers d'art. Quant à son artothèque, elle offre plus de 200 œuvres en prêt. On est à Rabelais-sur-Layon, dans votre atelier, Étienne Davodeau. Une grande partie de cet atelier est occupée par une bibliothèque, essentiellement ouais. des BD. Mm-hmm. Ici, ouais, il n'y a que de la bande dessinée. Est-ce qu'on trouve les premières bandes dessinées que vous avez lues lorsque vous étiez enfant ? On en trouve certaines, ouais, celles qui ont survécu aux multiples lectures que je leur ai infligées. Très abîmées. Hein. Très abîmées parce qu'on a beaucoup lu et beaucoup relu. Et la lecture et la relecture, c'est quelque chose de très formateur quand on est enfant, qu'on a peu de livres sous la main. Est-ce à ce moment-là que vous avez envie de devenir auteur, dessinateur ? C'est vrai que dès l'enfance, j'ai eu envie d'avoir cette occasion de procurer à des gens le plaisir que moi je trouvais dans des livres. Évidemment, tout ça est venu avec mes premières lectures, mais tout ça se construit avec le temps. On ne peut pas rester sur une impulsion qui est une impulsion d'enfance, qui est une impulsion un peu naïve. Tout ça, ça doit s'étayer, ça doit se construire, ça doit se personnaliser. Et ça passe par la fac. Je me suis retrouvé à Rennes, à l'université, en art plastique. Et à l'époque, dans les années 80, ça a bien changé depuis, on nous parlait de toutes les disciplines artistiques qui relevaient de l'image, sauf une, la bande dessinée. J'en ai éprouvé une sorte de frustration, frustration que j'ai repérée chez d'autres gens dans les amphis. On était 5 ou 6 dans la même situation, à avoir très envie de bande dessinée. Et du coup, on s'est regroupés et on a fondé un petit studio. On a dessiné beaucoup ensemble pendant nos années universitaires. À la maison, chez vos parents, est-ce qu'on était enclin à apprécier la littérature dans toute sa diversité, y compris dans la bande dessinée ou pas du tout ? Dans ma famille, non, la bande dessinée n'était pas très présente. J'avais assez peu d'amis qui partageaient le même intérêt que moi pour la bande dessinée, donc c'était quelque chose d'assez solitaire, d'assez personnel, d'assez intime. Donc je dessinais, je lisais, seul. Ce qui est assez pratique pour des parents, ça fait un môme pas emmerdant. Hein. On le fout sur une table avec des papiers et des crayons et il travaille. Oui, mais vos parents, ils avaient, en dehors de leur boulot, ils avaient des occupations. Ouais. Notamment syndicales, c'est dans ce livre que vous en avez parlé. Ouais. Les mauvaises gens, en fait, c'est l'histoire du militantisme que vous avez vécu à travers l'action de vos parents. Voilà, moi je suis né en 1965 dans les Mauges, ce petit coin du Maine-et-Loire. Mes parents étaient ouvriers, tous les deux. Ils ont beaucoup milité dans de l'associatif, du sportif, du politique, du syndical. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et les mauvaises gens, c'est ça. C'est une tentative du portrait du milieu dans lequel j'ai grandi et une tentative pour comprendre comment ce milieu-là m'a conditionné. Moi, l'adulte que je suis devenu, j'avais une 40aine d'années quand j'ai dessiné ce livre-là. Et donc, c'est une espèce de grande enquête dans un milieu familial. C'est un livre autobiographique, un livre de reportage. Et ça implique effectivement de mettre en scène ce milieu et donc mes parents. Alors vous avez une certaine tendresse pour les gens qui sont assez peu considérés dans nos sociétés. On les voit comme des losers, des gens qui ne sont pas utiles. Est-ce que vous êtes toujours revendicatif à l'égard de cette différence ? Cette différence-là, cette non-visibilité-là m'intéresse parce que justement c'est un territoire vierge qu'on peut explorer quand on fait des livres. Il y a très peu d'autres livres sur cette période et ces mouvements-là. Donc, paradoxalement, ça me procure une vraie liberté. Une liberté qui va, qui s'étend jusqu'à la remise en cause de la religion catholique qui est très présente dans votre éducation et dans celle de vos parents. Ce livre-là, d'abord, pour moi, c'était une façon de régler son compte à cette éducation religieuse que j'ai reçue, dont je me suis débarrassé adulte. Et puis, en faisant cette enquête, j'ai compris que mes parents m'avaient transmis ça parce que pour eux, ça avait été quelque chose de très important et de très positif. Ça avait été ce que ma mère m'avait cité comme leur petite université. Et du coup, le livre m'a un peu retourné. C'est-à-dire qu'au final, ce livre est un hommage à ce contexte-là, dans lequel j'ai grandi, auquel je ne crois pas.
Mais voilà, c'est comme ça que les livres se font. Un livre, ça n'est pas quelque chose qu'on prévoit et qu'on déroule. C'est quelque chose vers lequel on va, dans lequel on lutte, dans lequel on se trompe, on fait des virages, on fait comme on peut. Et au final, si on fait ça avec honnêteté, le livre porte tout ça et ça fait partie de son intérêt. Vincent Mauger a besoin d'espace pour construire le sien. Parpaings, briques, tubes plastiques, ces sculptures sont fabriquées avec des matériaux de base. Le plasticien les assemble pour créer des morceaux de paysage, des constructions schématiques proches de l'imagerie de synthèse qui trouvent leur place dans des villes, des caves ou des entreprises. Chez lui, nulle part, c'est déjà ailleurs. Souvent, je pars de matériaux qui sont déjà structurés, qui ont une structure alvéolaire, parce que j'aime bien graphiquement ce que ça crée quand on multiplie ce matériau, que ça crée soit des trames, soit des... Oui, vraiment des trames ou des jeux de lignes. C'est comme un espèce de croquis dans l'espace que le spectateur peut venir habiller. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a une liberté possible pour le spectateur de venir habiller mes formes et mes volumes. C'est qu'il y a à la fois l'image finale de la pièce, qui prête à la rêverie ou à la réflexion, mais qui est aussi une invitation à décortiquer ce qui a pu m'amener à produire ce type d'espace, une réflexion par rapport à l'abondance de matériaux, à la saturation de notre espace. Et là, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'espace blanc. On a besoin pour penser d'espace blanc aussi. Pour ce style de pièce, je ne conçois pas la forme sur papier. En fait, c'est plus en découpant le matériau, en l'assemblant, en regardant ce qui se passe. Là, ça me permet d'avoir des formes qui sont moins maîtrisées, qui sont moins... qui ont finalement dans le relief quelque chose qui est plus étrange que si je l'avais entièrement fixé avant de la sculpter. Souvent dans les matériaux, quand on les découpe, il y a un changement d'aspect qui va matifier un peu la tranche et qui va créer ce gris clair qui est très contrasté par rapport au noir des alvéoles. L'inclinaison aussi, elle dématérialise un peu. Elle donne un aspect presque virtuel aux objets. Bon, même si on sait très bien qu'on est dans le concret, mais on peut s'imaginer que c'est comme une forme virtuelle qu'on manipule à l'aide d'un logiciel et qu'on fait tourner. Ça m'intéresse de faire ces pièces avec une technique artisanale qui donne l'aspect de quelque chose de numérique pour questionner aussi notre rapport au numérique et à comment on fait des objets maintenant. Les espaces numériques, ils m'intéressent parce que ce sont des espaces qui n'ont pas de frontières. Un logiciel, on peut le faire tourner indéfiniment et étendre un espace sans limite. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté prise de risque, le challenge de faire quelque chose, de s'investir à fond dedans et de prendre un risque qu'à la fin, ce soit en deçà de ce qu'on espérait. Y a du doute aussi, mais j'ai jamais fait que ça. Je sais faire que ça et j'ai envie de faire que ça, en fait. Étienne Davodeau, une balade dans le Léon, il n'y a pas mieux. Ce sont des endroits assez familiers, effectivement, parce que moi, je vis dans cette région depuis une petite vingtaine d'années. J'y travaille. C'est là que je dessine la plupart de mes livres. Et puis, surtout, quand je suis dans une période d'écriture, c'est-à-dire une période où je dois concevoir une histoire, plutôt que de rester enfermé dans mon atelier, je viens ici. Enfin, ici, en tout cas, dans les Coteaux en général. Et je marche pour écrire. J'ai l'impression que le mouvement du corps favorise celui de l'esprit et celui de l'imagination. Et cette rencontre avec ce terrain-là, avec cette vigne-là et avec le maître des lieux, qui s'appelle Richard Leroy, ça a donné ce bouquin,
C'était un gros, énorme succès, Les Ignorants. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à la fois au métier de la viticulture tel que Richard la pratique et vous de vous interroger finalement sur le boulot que vous faites? Bah, ça a été occasionné, je crois, par la rencontre avec Richard Leroy. Richard Leroy est un vigneron un peu atypique qui fait du vin un projet bien plus global que simplement une boisson alcoolisée. Et sa démarche m'intéressait beaucoup. Moi qui suis toujours à la recherche d'histoires à raconter, j'avais le sentiment qu'il y avait chez ce gars-là quelque chose qui pouvait sans doute être la matière d'un livre. En général, quand on fait de la bande dessinée, on écrit un scénario d'abord. Un scénario qu'on va soumettre à l'éditeur, qui va l'accepter, dans le meilleur des cas. Et puis on va le dessiner. Là, l'idée, c'est de créer une situation où je vais dessiner quasiment en temps réel ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, j'arrive ici, dans les vignes de Richard, je ne sais pas tailler, Richard va m'apprendre, je m'y prends comme un manche parce que je ne connais rien, je suis un ignorant. Et étant un ignorant, je fais des bêtises, qu'il m'explique, et en m'expliquant, il me fait comprendre comment on taille la vigne, pourquoi la vigne est une liane si singulière, et au bout de la vigne, pourquoi le vin est un produit si complexe. C'est vraiment cette histoire-là que je découvre et que je raconte en même temps. C'est ça le projet des ignorants. C'est quelqu'un dans le milieu du vin, de reconnu, et considéré comme quelqu'un de très exigeant. Est-ce que vous avez eu à souffrir de cette exigence? Est-ce que vous avez des souvenirs liés à votre travail avec lui? C'est un patron très difficile. Richard, vous êtes un patron difficile, donc? Tu es un patron difficile. Non, je suis normalement exigeant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quel souvenir vous avez de... à la fois de cette rencontre et de cet échange, de ce regard, de cette initiation croisée, pour reprendre le sous-titre du bouquin? Oh ben c'est déjà un beau souvenir d'amitié. À défaut d'avoir eu un apprenti des plus brillants, j'ai une personne, une entente formidable, on a passé un moment fantastique. Oui. Est-ce que vous l'avez lu, ce bouquin? Non. Quoi? Non. Vous ne l'avez pas lu? Moi non plus. Mais non. Pourquoi? Ben, j'en suis incapable, à titre personnel. Et si je le lis, je vais juste replonger dans les erreurs que j'ai faites, dans ce que j'aurais dû faire autrement, dans les souvenirs que j'ai. Mais rentrer dans le livre comme un lecteur, moi, je ne veux pas. Et moi, j'ai l'impression de connaître mon histoire. Je suis plus intéressé par l'histoire des autres. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur ce bonhomme-là? Ben, j'ai appris ses capacités formidables à se plonger dans une histoire, dans un récit. Et en fait, en tirer la quintessence. C'est choper les choses les plus démonstratives du monde qui l'entoure. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans l'expérience de Richard, c'est-à-dire qu'en racontant l'histoire de ce vigneron-là, je raconte aussi l'histoire d'un mouvement autour du vin qui est en train de se produire, notamment ici en Anjou, de façon très active, qui est un mouvement de renouveau de la façon de concevoir le vin, de la façon de mener une vigne, d'élever des vins. Et ce renouveau-là, qui a une petite vingtaine d'années, il s'est aussi produit par hasard dans le monde de la bande dessinée. Et c'est ces deux mouvements-là que j'ai essayé de mettre en écho, l'un vis-à-vis de l'autre, dans ce livre. Et c'est comme ça que j'ai essayé de construire ce livre-là. Merci Richard. Bonne continuation à vous. À bientôt, travaille bien. À bientôt. À Cholet, le collectif Jamais Trop d'Art réunit depuis 1994 des comédiens, musiciens, photographes et plasticiens qui ont en commun le désir de créer. 25 ans après, le collectif défend toujours le théâtre populaire accessible au plus grand nombre. Zai 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 Zai, mise en scène par Olivier Bloin, est une adaptation de la BD éponyme de Fab Caro, humoristique et burlesque. Fab Caro, lui, il a la liberté du dessin. Un trait suggéré, des dialogues bien faits, et on y est. L'histoire démarre avec Roselyne, la caissière du supermarché. Elle ne le sait pas encore, mais elle va déclencher une improbable chasse à l'homme. Ce jeudi-là, il ne se passe rien de spécial dans les rayons du magasin. Roselyne est demandée à la caisse numéro 3. Roselyne. Voilà, ça vous fera 37,50 €. Vous avez la carte du magasin? Oui, bien sûr. Je suis désolé, je crois qu'elle est restée dans mon autre pantalon. Quoi? J'ai peur. Bah, c'est bien. Ce qui est drôle aussi dans la BD de Fab Caro, mais qui en même temps nous interroge tous, c'est qu'il dit une affaire comme ça, qui est pas très compliquée. Il a juste oublié sa carte du magasin. Il a pas braqué de banque, il a pas fait peur aux gens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dangereux? Et est-ce qu'il va pas tout nous mettre en l'air? 3, 2, 1. Bonsoir.
les titres de ce 20h et cette nouvelle qui vient de tomber. Notre fugitif, activement recherché par la police, a été identifié. Il serait comédien de théâtre de rue. Le ministre de l'Intérieur assure tout mettre en œuvre afin de le retrouver. Lors de son meeting à Besançon, il a demandé aux Français, je cite, « ne pas céder à une psychose qui n'a pas lieu d'être ». Chérie, tu en as pour longtemps ? Jusqu'à 20h35 environ. Oh non, parce que tous les soirs, c'est pareil, pile au moment du repas. L'opposition, quant à elle. Là, oui, c'est la piste. Et puis, c'est surtout ce qui se dessine entre eux, là, qui est pas mal. Ouais. Nous, ce qui nous intéressait dans l'adaptation, c'était de dire comment notre aventure, ça reste bien un objet de théâtre. Comment c'est un spectacle à part entière qui se tient de bout en bout. On parle de farce tragique. Je pense que c'est une farce tragique, quoi. On sait maintenant à coup sûr que c'est un spectacle, en tout cas dans sa forme actuelle, qui ne peut exister que dehors. Parce que justement, notre épure, là, dès qu'on met un rideau de fond de scène noir de théâtre, en fait, tout se perd et nos personnages, ils deviennent finalement des acteurs en mouvement et ils perdent cette porte d'entrée qu'on veut laisser aux spectateurs en se disant, il y a juste un mur derrière, on est dehors et plus c'est neutre, plus on va pouvoir se prendre par la main et se raconter une histoire ensemble. Nous, on joue avec les perturbations, hein, tout le temps. Quelqu'un qui... Une mobilette qui passe, c'est un problème pour nous. Quelqu'un qui fait tomber son gobelet, c'est un problème. Donc, nous, il faut qu'il y ait toujours une vivacité et un engagement du corps qui permettent de faire exister les choses. Jean-Pierre, je te présente Fabien. Fabrice. Un ancien camarade de collège que je viens de croiser par hasard. Fabrice. J'ai connu un Fabien, mais lui était de Tarbes. Ça ne vous dit rien ? Non, je vois pas, non. Un grand ? Non. Sa mère tenait une boutique de vêtements. Non, désolé, je vois pas, non. Je vous propose qu'on boive un verre pour compenser une ambiance qui a du mal à prendre. Non mais attends, comment est-ce que tu peux dire un truc pareil ? C'est ignoble ! Ah. On a encore de la place pour rire, donc on va se mettre d'accord avec vous, spectateurs, le temps du spectacle. On va se raconter une histoire et on essaiera d'en sortir un peu plus à l'affût, au moins à l'affût. Nous, on ne dit pas comment il faut vivre, mais on a envie dans cette création de dire attention, ça peut aller vite et ça paraît idiot, quelqu'un qui n'a pas sa carte du magasin et qui finit traqué par des chiens, méfions-nous où se place le curseur. Donc voilà, c'est ça qu'on a envie de raconter dans cette création. La région des Pays de la Loire est une terre de bandes dessinées. Scénaristes, dessinateurs et coloristes sont nombreux à y vivre et y travailler. Des auteurs, des éditeurs et des libraires diffusent le 9e art partout sur notre territoire. Le public et les professionnels peuvent aussi compter sur des pôles ressources comme la Bulle de Mazé en Maine-et-Loire ou la Maison Fumetti à Nantes. La bande dessinée ligérienne bénéficie de salons et manifestations spécialisées et réputées comme le Festival de la BD de Chalonne-sur-Loire, le Salon Rustine à Cran et le Festival de la BD engagée à Le Mas-sur-Èvre. Est-ce qu'il a vieilli, ce bouquin ? Ah ben, il a vieilli, forcément il a vieilli. Il va avoir 20 ans. Tous pris 20 ans dans la vue. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est toujours lu. Si c'était à refaire, vous repartiriez ? Ah oui. Ah oui. Oui. Bon, c'est aucun bien. Regret. Ils feront pas pitié. Non, non, pas du tout. Ils sont même assez sympas, d'ailleurs. Bah, en plus, on est des paysans heureux. Ouais, ça se voit. Ouais. Ça se voit. C'est quand même un métier difficile. Bah, il ne s'agit pas de le nier. Ah, mais c'est un métier, qui a du sens. Ouais, faut arrêter de dire que le métier d'agriculteur, c'est difficile. Ce n'est pas que difficile. C'est pas que difficile. Voilà. C'est un métier où il y a beaucoup de plaisir aussi. Cette étape n'existait pas lorsque il vous avez été pas quand j'ai commencé à fréquenter ces garçons, puisque la ferme n'était pas encore dans l'état où elle est maintenant. Oui. Mais à la toute fin du livre, une des tâches des gars, c'était de construire le bâtiment. Ah bah tiens, parce que c'est un bâtiment. Voilà. Le voilà. Le voilà, le bâtiment tel qu'il était au tout début des années 2000 et tel qu'il est 20 ans après. Toujours là. Ce sont des Montbéliardes.
Mais oui. C'est pas les vaches que vous avez connues lorsque vous avez écrit ce bouquin rural il y a 20 ans. Eh ben voilà, non, le temps a passé et quelques générations de vaches ont passé aussi. C'était des Primo Stein à l'époque. Vous avez écrit le bouquin. Et rural, oui, je l'ai dessiné en. J'ai commencé à le dessiner en 1999. Il était publié en 2001. Et c'est ma première tentative de bande dessinée, disons de non-fiction, du reportage, du documentaire. Vous suivez le parcours de trois agriculteurs. Ouais. Qui décident donc dans les années 90 ouais. de passer au bio. C'est ça. Hein, de quitter l'agriculture intensive. Ce qui était à l'époque assez révolutionnaire. Maintenant, le bio, on sait tous ce que c'est, on voit tous de quoi il s'agit. Dans les années 90, c'était des gens qui prenaient un risque, qui tentaient une nouvelle aventure. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Et ça m'intéressait d'autant plus qu'au moment où ils passaient en bio, ils apprenaient qu'une autoroute allait couper leur ferme en deux. Et j'y ai vu là la collision de deux approches de l'environnement qui me semblaient dignes d'être racontées. Voilà, une construction qui vient effectivement fracasser un idéal. Oui. C'est vrai, sauf que 20 ans après, l'idéal est toujours là. Ça a marché. Non seulement ça a marché, mais ça marche très bien. C'est-à-dire que le modèle qu'ils ont choisi, les techniques qu'ils ont choisies, fait que le GAEC du Causon était une exploitation en pleine forme, qui marche bien et qui est validée par la durée. Alors, c'est aussi un tournant dans votre travail, parce qu'effectivement, on passe à quelque chose qui ressemble plus à de la bande dessinée d'actualité ou de reportage. Oui. Donc vous quittez vous quittez la fiction. Oh, je ne vais pas la quitter complètement parce que j'aime bien aussi y revenir de temps en temps. Des livres que j'ai fait plus tard, comme Lulu Femme Nue, sont de la fiction. Mais j'aime bien en tout cas alterner les deux. Et c'est vrai que Rural, c'est ma première tentative. Donc à ce titre-là, pour moi, c'est un livre important. Sans Rural, il n'y aurait pas eu les mauvaises gens, il n'y aurait pas eu les ignorants, sans doute. L'agriculture traverse une crise grave aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écrire une suite, un Rural 2 ? Il serait sûrement temps d'écrire un Rural 2, mais il se trouve que les sujets sont nombreux, que ma curiosité est grande et que la vie est courte, et que j'ai envie de passer à d'autres sujets. Mais c'est vrai que c'est incontestable. Le monde agricole est un monde qui fourmille d'histoires à raconter, et des histoires qui font sens. C'est au Chabada à Angers qu'Artothèque a rencontré Vince, Mathieu, Jean-Christophe, Raggy et Alex. C'est dans cette salle de concert ouverte à toutes les musiques actuelles que le groupe Zenzile répète depuis près de 20 ans. Le dub les a imposés sur la scène française dès les années 90. Aujourd'hui, le quintet angevin, enrichi de la voix de Jerry, promène son univers musical sur les scènes du monde entier. Stuck in the same old thing, oh yeah. Breaking the wall. Zenzile, à la base, c'est quand même un groupe qui est né instrumental, donc pas de chanteur. Et puis rapidement, ils ont voulu quand même intégrer, on va dire, des chanteurs pour des morceaux plus, ou pour on va dire, des happenings ou des événements particuliers qui marquent une collaboration. Il y a quelque chose qui se passe entre nous qui fait que ça fonctionne vraiment bien. On y a trouvé une vraie cohérence entre les chansons que Jerry inventait dans un style assez proche du reggae et ses dubs. Le dub en tant que tel, c'est des outils de production en fait. Donc c'est l'utilisation de reverb, delay et autres effets afin de magnifier un son. Donc le dub, il peut être utilisé dans beaucoup de productions. C'est pour ça que les Jamaïcains qui sont très nombreux à être artistes, musiciens, c'est pour ça qu'ils ont rayonné sur différents genres musicaux, parce qu'ils sont à la source de ces expériences électroniques et acoustiques. Donc ça a assez vite dérivé vers les musiques telles que le hip-hop ou la techno. C'est un morceau plutôt assez chaleureux au final, même si c'est un sujet qui est un peu grave, mais c'est un peu justement tout ce que je kiffe dans le reggae, dans ces musiques trans aussi, c'est le mélange un peu des sentiments. Donc faire de la mélancolie sur un truc qui danse, c'est un peu les spécialistes, les Jamaïcains, et moi c'est ce que j'ai adoré. Moi je viens du reggae, et forcément quand des rythmes comme ça arrivent, j'ai 15 idées, 20 idées pour faire le tri. J'ai à peu près une idée très vite. De toute façon, un bon morceau, généralement, on
va dire en 15 minutes, t'as trouvé le truc, quoi. Le kiff ultime, moi, dans la musique, c'est ce moment-là où tu trouves le truc qu'il faut dessus. C'est là que la magie se passe, quoi. Parce que tout le monde fait, pas besoin de trop se parler, quoi. On sait que c'est ça qu'il faut. On n'y touche plus. Puis t'es tout excité d'aller les jouer en live. Puis tu les as joués 10 fois, t'es là, t'as un nouveau morceau qui arrive, tu passes à autre chose, en fait. Pour nous tous, puisque on est Zenzile, donc on est un groupe de personnes. Donc créer, c'est d'abord s'entendre. Ça veut dire réussir à communiquer entre nous pour arriver à avoir quelque chose qui nous plaît à tous. Et après, c'est sûrement décider d'aller quelque part. Peut-être une forme de création un peu... C'est comme une espèce d'artisanat. Pour nous, en tout cas, peut-être. Parce qu'on est comme des petits ouvriers ensemble à collaborer, à essayer de donner vie à quelque chose qui appartient à plusieurs personnes. En mode collectif, c'est pas une addition d'idées, c'est une multiplication d'idées. Donc tu fais des trucs que t'aurais jamais pensé, en fait. Chacun se nourrit. Et en fait, au moment où le morceau est pondu, c'est comme une fin, en fait. On dit une création, le morceau est créé, mais c'est bon, c'est le processus est terminé. Quoi. Tu t'arrêtes, c'est là, c'est fait. Et comme je sais plus qui disait, un philosophe, il disait la musique, c'est juste des belles petites choses. Une chanson, c'est une belle petite chose. Et une fois qu'elle est finie, comme ça, c'est une belle petite chose, et ben comme il disait, il nous appartient plus, on passe à autre chose. On est ici, ce que vous appelez la table des couleurs. Je me demandais si c'était pour vous aussi agréable de faire ce travail-là que de faire du dessin. Oh, c'est deux activités qui sont très liées. En fait, j'ai deux façons de terminer mon dessin dans mes pages de bande dessinée. C'est soit effectivement de mettre les pages en couleur, soit de les faire au lavis, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là. C'est ce que j'ai fait dans Les Ignorants, par exemple. Il s'agit en fait de simplement suggérer les couleurs au noir, plus ou moins diluées, donc avec des niveaux de gris. Ça nous permet, comme avec les couleurs, de donner des sentiments de profondeur, de perspective, de volume, de lumière aussi, mais simplement on laisse une partie du travail au lecteur, c'est-à-dire que c'est au lecteur d'imaginer, on lui suggère les ambiances colorées, et donc voilà, simplement sur un dessin comme ça, on pose des gris, on fait un peu vibrer la lumière sur le trait, mais sans aller jusqu'à la mise en couleur telle que je l'ai fait dans ce livre-là. Ce sont deux façons de faire que j'aime bien et que j'alterne. Mais pourquoi vous n'êtes pas passé au numérique? Ça vous simplifierait énormément la vie? Certainement. Certainement, parce que le numérique, les couleurs sur écran, sur ordinateur, ça a cet avantage précieux que quand on se plante, il suffit de faire un retour arrière dans l'historique et de repartir. Moi, quand je me plante sur une page, il faut que je la foute à la poubelle et que je recommence. Simplement, devant un ordinateur, je m'emmerde assez vite. Alors que sur du papier aquarelle, avec un pinceau, avec de l'encre, avec tout ce que ça a de tactile, de presque voluptueux, je m'ennuie jamais. Et donc, je m'obstine à faire des couleurs et à faire du lavis à l'encre, au pinceau, sur du papier. Je serais peut-être le dernier vieux con à faire ça, c'est possible. Mais en tout cas, en termes de plaisir, c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à abandonner, même si d'un point de vue logique, évidemment, c'est moins rapide, c'est moins pratique. Et même éditorialement, c'est plus compliqué. Mais j'y tiens quand même vraiment beaucoup. Ça fait partie de la création? Ça fait intégralement partie de la création, bien sûr. Ouais, c'est l'étape ultime du dessin pour moi. La dernière étape, et à ce titre-là, elle est importante. C'est là qu'on quitte la page, enfin, en tant qu'auteur, je veux dire. Est-ce qu'à terme, la BD papier ne va-t-elle pas disparaître au profit, justement, de l'édition numérique? Ces livres-là arrivent. Ils arrivent déjà, et c'est pourquoi pas. Pour moi, c'est une façon supplémentaire de diffuser nos histoires. Ça ne présente aucun problème. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que ça ne remplacera jamais le vrai livre papier, qui est, de mon point de vue, un objet irremplaçable et inséparable de l'histoire humaine. C'est, de mon point de vue aussi, un des plus beaux objets que l'espèce humaine ait inventé. C'est un objet pérenne, simple, autonome. Depuis les peintures rupestres? Depuis les peintures rupestres, évidemment. Les images créées par les hommes se sont très vite réfugiées dans les livres, et elles y restent longtemps, et elles se partagent, elles se prêtent, elles durent. Et rien que pour ça, le livre, à mon avis,
parce qu'il est une espèce d'évidence formelle, sera toujours là, quels que soient les autres canaux supplémentaires de diffusion de l'écrit et de l'image qui apparaîtront. Et de l'utilité sociale, donc, de l'auteur de bande dessinée. Évidemment, de l'auteur de bande dessinée, de l'auteur de roman, de l'auteur de cinéma et de théâtre. Tous les gens qui font œuvre d'écriture et de narration sont des gens qui donnent à lire aux autres des histoires qui éclairent nos propres histoires. Et je crois que c'est dans cette mesure-là qu'elles sont utiles et qu'elles sont nécessaires, même. Un jouet magnifique pour navigateur geek. Cara est un voilier high-tech conçu par une entreprise de Saint-Barthélemy d'Anjou. À l'intérieur, plusieurs tables tactiles qui permettent de piloter certaines fonctions du voilier. Le numérique ouvre alors tous les océans du possible. On a 130 capteurs et actionneurs en fait sur le bateau. Il y a des capteurs de réservoir, il y a des températures. On a une caméra qui est clé, qui est située en tête de mât. Il y a un serveur qui récupère l'information partout sur le bateau, qui la centralise et qui l'envoie via l'antenne 4G. Et puis toute la remontée d'informations de navigation. J'ai toujours eu la chance de pouvoir naviguer, d'abord sur le premier bateau de mon père, qui était un bateau en bois, très traditionnel. Je ne devais pas avoir plus de 10 ans. Quand, dans le bateau, j'ai eu cette vision en me disant on n'a pas de télé, on a des appareils qui se multipliaient. J'ai vu arriver le premier GPS à bord du bateau. On avait juste latitude, longitude, il n'y avait pas de cartographie, rien. Et on accumulait du matériel, mais on ne pensait pas à rendre les choses très accessibles aux gens. L'élément de la table à cartes a été un élément très central et très évident pour moi. Donc je me suis dit, comment rationaliser ça? Comment remettre un peu tout le monde autour de cette table? Il y a peut-être un côté de désacraliser la table à cartes traditionnellement réservée aux skippers. Et donc est venue l'idée de cette table tactile qui permettait aussi bien à toutes les générations de se remettre autour et de pouvoir l'utiliser dans des moments très différents. On ne va pas regarder la télévision quand on est en mer, donc la table peut tout à fait être réservée à la navigation en mer. Et en même temps, on ne va pas être en train de regarder sa cartographie quand on est au port. On va plutôt l'utiliser d'un côté ludique, partager des jeux, les photos de la journée ou regarder un film. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants, même des adultes, qui sont un peu chacun dans leur cabine avec leur téléphone. Et donc le mot partage a un peu disparu alors qu'il est très lié au monde de la plaisance. Et donc ce qu'on a voulu faire avec la table tactile multi-utilisateur, c'est de dire aux gens, n'arrêtez pas votre vie virtuelle, mais faites-la ensemble sur le même appareil. Ce qui recrée du lien dans le monde réel. Il est où, Cara ? Le bateau, il est au Sable d'Olonne, ici. Voilà. Tac, on y arrive. Voilà, il est sur ce ponton-là, là, exactement. Donc là, on est dans un bateau connecté. Aujourd'hui, on travaille avec D-Ice Engineering et le LS Denain de Nantes, donc sur le campus de Centrale, sur le développement de cette solution pour aller jusqu'au bateau autonome. On pourrait le schématiser par un membre d'équipage virtuel qui va se charger du bateau comme si c'était une personne réelle. Vous allez demander au bateau de faire ceci, de faire cela, de rentrer ou sortir de sa place de port. Et c'est ce membre d'équipage virtuel qui va s'en occuper à votre place. Quand vous naviguez à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans, vous n'avez pas les mêmes envies, vous allez rechercher des choses différentes. Et donc, vous pouvez le désactiver complètement, ce système, ou vous pouvez lui passer la barre. Ok, Richard, puisque j'ai une minute à moi, je voudrais bien qu'on revienne sur le principe de la biodynamie, qui semble parfois une technique un peu ésotérique, un peu mystérieuse. Or, je sais bien que ce n'est pas ton cas. Donc vas-y, parle-moi de la biodynamie. Action. Quand tu connais mon passé d'amateur de vin, de passionné, et la biodynamie, j'y suis venu simplement par la dégustation et par l'aspect vivant des vins, par l'aspect énergie de ces vins-là. Donc ça passe dans un premier temps par la bio, qui est simplement le fait d'arrêter ne serait-ce que les fameux glyphosates. Ouais, mais la biodynamie, c'est un peu plus que ça. Mais la biodynamie, ça t'amène plus loin, ça t'amène à imaginer la plante au milieu
d'un ensemble où le ciel, les éléments du ciel sont aussi importants que les éléments de la terre. Notre rôle en tant qu'humain est d'activer un petit peu le bien-être de cette vigne plutôt que de chercher à la soigner. Et moi, je me souviens qu'on a fait une fois un traitement sur la vigne où on mettait par hectare l'équivalent de 3 grammes d'une poudre de corne séchée, des choses comme ça. C'est très mystérieux. Et ça, oui. Ça a un effet vrai pour toi. Voilà, silice. Je pense qu'effectivement, il y a des choses que la science découvrira plus tard. Toujours est-il que dans le sens vivant, dans le sens énergie de la vigne, nous, on a un ressenti, vigneron, qui appliquant cette biodynamie, on a vraiment ce ressenti. Ok, c'est parfait. Coupé. Martha Orzel aime la couleur, les montagnes et les créatures fantastiques. Ces paysages oniriques naissent dans l'atelier collectif nantais, la Baie Noire. Martha, artiste inspirée, révèle à Artothèque quelques secrets de son travail. Et quand il y a des taches qui sont un peu trop huilues, bah du coup, ça peut ne pas marcher avec l'acrylique après, qui peut ne pas tenir dessus. C'est déjà un peu plus doux, enfin, je préfère quand il y a un peu moins de taches, quand ça gronde. Le dessin, c'est toujours des séries, donc je travaille toujours soit par diptyque, soit par triptyque, soit vraiment par des séries de quelques dessins ou quelques dizaines de dessins. Quasiment quelque chose de très foncé, qui s'approche du noir, mais avec un petit reflet violet. Depuis quelques années, je dessine beaucoup de montagnes. Peut-être parce que je viens d'un endroit où il n'y en a pas beaucoup. Pour enfant, c'est toujours la même histoire qui m'intéresse, c'est vraiment les formes, les courbes, l'accumulation. Sauf que là, j'avais envie de travailler sur un plus grand format, mais toujours avec la même précision. Et j'avais envie d'ajouter des petits éléments vivants dedans. Et c'est un début d'une nouvelle série. Dans la série, j'ai toujours rêvé de dessiner un beau personnage sans talent ni succès. Donnez-moi quelques conseils pour y arriver. Alors évidemment, en bande dessinée, il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas qu'un dessin académique. Il y a un dessin qui peut être très réaliste, quasiment photographique. Et puis de l'autre côté, un dessin très caricatural, qui n'est plus du tout réaliste. Donc chaque auteur a un peu son curseur, quelque part, posé sur cette ligne-là. Pour ce qui me concerne, en tout cas, et mon dessin à moi, je le construis comme ça. En général, quand je pars sur un personnage, je construis très sommairement... non pas une sphère stricte que serait un visage, oui. Mais une boîte crânienne avec sans doute ce qui serait un peu la mâchoire inférieure du personnage, comme ça. Je vous copie, hein. Okay. Ben voilà, c'est ça le jeu. D'accord. Et je ne vais pas vraiment dans les détails. Et sur cette structure qui serait en quelque sorte le crâne avec la mâchoire, oui. Ici, à l'intersection de la mâchoire et du crâne, je place l'oreille et en face, je vais placer les yeux, par exemple. Et là-dessus, très naturellement, ensuite... Sur la partie basse, je vais créer la partie inférieure du visage. Alors, on y est presque. Ouais. Donc, il manque la partie basse du visage, c'est-à-dire la façon dont le nez se pose, dont la bouche se pose sur la partie qui représente la mâchoire. Et ensuite, eh bien, alors là, je suis en train de dessiner le personnage principal du livre que je suis en train de dessiner en ce moment. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, ce personnage-là est inspiré... Alors, c'est plutôt celui-là que celui-ci, qui est bien aussi. Ce personnage-là est inspiré d'amis, quinquagénaires. Et...
il vient d'un autre monde. Celui-ci vient visiblement de la planète Pluton, mais il peut faire un très bon personnage de bande dessinée quand même. Eh ben moi, je suis un peintre surréaliste. De Pluton. De Pluton. Son nez s'est effondré brutalement, et là, ça a compliqué toute la situation. Et son oreille qui va à l'arrière du crâne. Attention, des lions pour des lions peut vous entraîner très loin dans la transe. Ce quartet angevin puise son énergie dans le rock, le jazz, la musique africaine et indienne. Dans l'album Dervish Safari, Des lions pour des lions nous offre 11 titres bigarrés et fougueux. Profiter un peu de l'air vivifiant de la campagne de Rabelais-sur-Layon. Avec plaisir. Ouais, je sais que vous aimez ça. Ouais. Vous venez de publier un dernier album. Oui, effectivement. Qui est là, qui s'appelle L'avancée des travaux, histoire courte semée à droite et à gauche. Je sais que vous aimez bien les titres un peu énigmatiques, en tout cas originaux, c'est encore le cas. Qu'est-ce qui veut nous dire ce titre, L'avancée des travaux? C'est un point sur une forme un peu particulière de bande dessinée que je pratique de temps en temps, qui est celle du récit court. La plupart de mes livres, comme Les Ignorants ou d'autres, font souvent 100, 150, 200 pages. Le récit court, c'est le récit de 1 à 5, à 10, 15 pages maximum, et c'est une discipline que je fais de temps en temps. La nouvelle. C'est exactement ça, c'est la nouvelle en bande dessinée, et c'est souvent publié dans des supports éphémères, dans la presse notamment. Par exemple, dans ce livre-là, il y a... deux pages qui ont été publiées dans le journal Libération. Eh bien, ces deux pages n'ont été lisibles que 24 heures, le temps de vie d'un quotidien. Il y a une page qui a été publiée dans Télérama, par exemple. C'est une semaine. Et après la semaine, cette page n'est plus accessible, n'est plus disponible. Donc vous les faites vivre. Donc je les fais revivre. Revivre. Je les fais revivre, c'est-à-dire que dans ce livre-là, je leur donne une deuxième chance. Et c'est pour ça que c'est un point sur un moment donné, ce type de travail-là. Vous avez publié en 15 ans une quarantaine d'albums, c'est ça? Oui, sans doute, oui. Est-ce qu'il y en a un qui est pour lequel vous avez une affection un peu particulière? Je ne peux pas avoir de préférence pour un livre par rapport à un autre, parce que j'ai, avec tous mes livres, quel que soit leur destin, leur succès, leur succès commercial, même les mêmes rapports, j'ai un rapport un peu conflictuel avec eux. Conflictuel? Conflictuel, ouais. Moi, je les vois comme une somme de petits combats qui sont parfois des petites défaites ou des petites victoires, que je suis parfois seul à voir. Mais un livre, c'est ça pour moi. C'est un lieu, c'est un point où... Une étape.
une étape, voilà, une étape dans un processus et qui marque voilà, un point donné à un moment donné. Et donc, mon travail, c'est cette succession de livres et c'est comme ça que je les lis et que je les perçois. Eh bien, parlons du prochain, celui sur lequel vous travaillez. On quitte le Maine-et-Loire hein, oui. pour cet album-là, on oui, part oui. dans le Jura. On part dans le Jura, effectivement, dans le Jura enneigé. Qu'est-ce qu'on va y faire ? On va y faire, là, pour le coup, une sorte de bilan. C'est un récit que j'ai coécrit avec deux amis, avec Joub, avec qui j'ai déjà fait plusieurs livres, et Christophe Hermenier. Ce sont deux amis que je connais depuis longtemps, depuis qu'on a 19-20 ans. On s'est rencontrés à la fac à Rennes, quand on était étudiants. Et on a passé la cinquantaine, tous les trois, il y a quelque temps, et on s'est dit que c'était un point intéressant de l'existence pour en faire un récit. C'est un moment un peu particulier, où le temps commence à marquer son... Non, moi je l'ai pas mal vécu, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment les choses se passent autour de soi et de questionner les amis, femmes et hommes, et de regarder comment ça se passe au niveau santé, au niveau du couple, au niveau professionnel. C'est un virage, quoi qu'on en dise, c'est un virage. Et ce virage-là, il est une source potentielle de récit. Donc on a écrit une histoire qui est une fiction, qu'on a installée effectivement dans le Jura, un endroit un peu reculé, un peu tranquille, où on met en scène ces interrogations-là. Qu'est-ce Alors, que c'est ces que interrogations de potes, ça s'appellera comment ? Ça s'appellera Les couloirs aériens et ça sortira dans quelques mois. Est-ce que vous vous laissez facilement tutoyer ? Essaye pour voir. Bon, alors je te propose une balade dans la campagne, ici, chez toi, à Rabelais-sur-Layon, pour prolonger notre discussion et peut-être pour parler des histoires qui sont en toi et Absolument. Qui feront peut-être l'objet d'un album. Avec grand plaisir, allons-y. Merci en tout cas. Merci à toi. Étienne.